Good morning. Allez, idem, tu seras aujourd'hui le nez, je m'attrache à une bonne fortune, mazal le clodis, une bonne fortune, mazal le Myriam Beth Elisa Sayak, et Sol Vanish le Beth Delmar. Si vous souhaitez vous aussi d'aider dans la prochaine étude, je vais vous contacter 5 minutes éternelles. Nous étions ma sécrétuma perek vav, Mishna Zain. Balo et sel par ve sair han nisrafin. Kra'an ve otsiet emurehen, netanan bamagis ve hiktiran, al gabei amizbeach. Laan bamik laot veotsiyan lebet asefa. Umematayim et amim gadim, mi sheyetzu chutz lechumat ha'azara, rabbi Shimon omer mi sheyitzat ha'ur beruban. Là, il va falloir répéter un petit peu, revenir un petit peu en arrière dans la vodote que le Kohen Gadol a fait avec le Bigde Lavan. C'est-à-dire, je reprends dans l'ordre directement. Depuis donc qu'il a fini les premières vodotes classiques du Korban Tamid et la menorah et la ktoret, le Kohen Gadol sera en Mikvé, porter les bigdei lavan pour faire commencer la voda de Yom Kippour. Le gros morceau de la voda de Yom Kippour, il va le faire tout de suite. Il y aura plus tard une autre occasion, il remettra les bigdei lavan pour faire un petit truc. Mais là il va de faire l'essentiel. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, souvenez-vous. Il s'est occupé du par du Kohen Gadol, et pour faire la capara des Kohanim, ils font leur capara avec leur par, tandis que l'homme Israël, ils font la capara avec deux Seirim, un Seir Lachem et un Seir Lazazel. Il fallait tirer au sort, donc il a fait des vidouim sur le par, il a tiré au sort entre le Seir qui était Lachem et le Seir Lazazel. Après, finalement, le par et le Seir Lachem, il aspergeait le sang dans le Kodesh HaKodashim sur la parochet et sur le Mizbah. Azahav, tandis que le Seir Amishtaleach, le bouc émissaire, il a envoyé dans le désert par un intermédiaire pour aller jusqu'à une falaise qui était à 24 000 amas de Yerushalayim, l'équivalent de 12 km à peu près à marcher. Ça faisait une sacrée tirée quand même, quoi. Justement, on va en parler tout de suite, que pour le moment on était au Beth Amikdash en pause, on attendait que ça arrive. D'accord? Donc il y avait, ça c'est la voie d'autre, maintenant. Le par et le Sahir du Kohen Gadol, le par Kohen Gadol et le Sahir, tous les deux, il faut bien comprendre, ce sont des korban khatat. En général, un korban khatat, on asperge le sang sur le tête coin du Mizbeach et on le mange, les Kohanim peuvent le manger toute la viande. Cette fois-ci, c'est un par et un khatat qui ont la singularité que l'on a aspergé leur sang dans le Kodesh à Kodashim et dans le Kodesh dans le Echal. Et dans ce cas-là, ça devient un khatat à pnimit, une khatat qui est faite à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du Echal. Et dans ce cas-là, on va se contenter de sortir les graisses qui doivent monter sur le misbéar, et tout le reste de la viande va être brûlé. D'accord? C'est des parts, c'est des khatat particuliers, puisqu'on fait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim. Les restes ne sont plus consommés par les Kohanim, mais ils sont brûlés. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Depuis le début du chapitre, on a parlé du bouc émissaire, comment est-ce qu'on l'envoyait, jusqu'où on l'a envoyé, comment on le poussait sur le tzouk. Qu'est-ce qui faisait ensuite le chaliar qu'il a envoyé, qui était avec elle, et tout ça. Maintenant, on a fini en fait avec le Seir Amishtaleach. La personne qui est partie jeter le bouc, il est à la dernière souka, il y avait 10 soukotes. Il est à l'équivalent de 1 km de l'endroit où il l'a jeté, et puis c'est tout, il attend jusqu'à la tombée de la nuit. Nous, au Beth Amikdash, pendant ce temps, le Kohen Gadol, il est bloqué, il ne peut plus continuer la voda. Il doit attendre qu'il arrive là-bas. Mais il y a quelques petites choses qu'il va pouvoir faire. En l'occurrence, Balo etzel par Vesaïr Anisrafim. Une fois qu'il a envoyé, on revient en arrière, depuis qu'il a envoyé, il a désigné une personne pour tuer le Ish-Iti, pour le prendre et pour l'amener au Beth Amikdash. Lui, après, une fois qu'il a fini de. Pour le prendre, il a envoyé la Azazel. Lui, il revenait dans l'Azara, il partait vers son par Vesaïr Anisrafim. Au par, son taureau et le Seir et le bouc du homme Israël, qui étaient tous les deux les commandes Khatat, qui ont fait les. On a sorti le sang attendu Echal, mais que donc ils ont un statut d'être Nisrafim, ils doivent être brûlés. Donc il se dirige vers le Par et le Sahir, qui sont déjà bien évidemment, il aura déjà fait la Shrita, puisqu'il a aspergé le sang. Kra'an, il les déchire. Ve'otsi et imuren, il fait sortir les graisses singulières, particulières que la Torah a dit qu'il faut apporter à Hachem des graisses particulières. Et Netanan Bamagis, il va les mettre dans un plateau. Il va les brûler sur le misbah. En réalité, il ne va pas les brûler tout de suite. Il doit les brûler beaucoup plus tard. Il a encore d'autres
Avodot à faire au Betamigdash jusqu'à ce qu'il va les brûler. La Mishnah me dit, afin de les brûler sur le Mizbeach. Maintenant, ça c'était pour les graisses qui devaient monter sur le Mizbeach. La viande elle n'est pas consommée par le Kohanim, comme on a dit. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Kla'an bemiklaot, il les a tressés avec des tresses, c'est-à-dire il les a accrochés sur un mot, sur un bâton de bois. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait exactement, en lui tressant les pieds, ou je ne sais pas, avec des cordes. Veotian les bêtes srefa. Et une fois qu'il les a accrochés sur le mot, sur le la barre comme ça, qu'on va pouvoir le transporter par son intermédiaire, eh bien, Veotian les bêtes srefa, et on les envoyait pour aller les faire brûler à l'extérieur du Mahané. C'est là le chidouche, c'est que la viande n'est plus consommée par les Kohanim, donc elle va sortir dehors, on va la brûler à l'extérieur du Beit HaMikdash. Au Beit HaSrifa. Là où on brûle. Ou Mehmatay Metamigadim, maintenant, il faut bien comprendre aussi, de nouveau, comme ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente pour le celui qui va prendre le bouc émissaire pour partir du tel avec le saïr, il va partir le jeter, il va devenir impur, c'était déduit de s'expliquer dans le psukim. Eh bien, il faut savoir aussi, celui qui va prendre la viande à sortir Mikhout la Mahane, à amener à l'extérieur du Mahane, eh bien, il va aussi devenir lui aussi, il va véhiculer une impureté. Et la Mishnah, au lieu de me dire qu'il va être impur, elle me dit directement à partir de quand il va devenir impur. Alors là, on a deux limites. Ça ressemble un peu à la Mishnah précédente. Qu'il y a le premier avis qui me dit, mais Shiyetsu Chutz le Chomat à Hazara. Depuis le moment, ils vont sortir des murailles de la Hazara, de l'enceinte du Beit HaMikdash. Rabbi Shimon me dit, non, mais Shiyetsa Ta'ur Beruban. Depuis le moment où il va le brûler. C'est-à-dire, c'est vrai que la Torah a insisté. Je dis le pasuk va soref otam yachabes begadot. Celui qui va les brûler, alors il devra se lever les vêtements, c'est-à-dire il va se tremper au mikvé parce qu'il est devenu, il a vécu une impureté. C'est pas juste une impureté que ça touche que à son corps, ça, même ces vêtements qui m'ont véhiculé une impureté. Donc la Mishnah m'a dit, depuis le moment où tu les as sortis, alors soit tu t'es sorti dehors, ou soit tu as commencé à les brûler, à faire que la flamme elle a commencé à prendre. Malgré tout, une fois que tu. Ces deux avis, tu transgresses, tu véhiculeras désormais l'impureté de ces corbanotes. D'accord? Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il y avait. Ouais, on a dit, on a rapporté la source d'où on sait qu'il fallait mourir, la source de Fotan et Rabbez Bigada. On n'a qu'à s'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sakhata.